Le bois mort, il n'a probablement pas trop d'impact négatif sur le végétal. Bon, je dis probablement parce qu'il faut toujours marcher, on marche toujours sur des œufs un peu avec ça. Je me suis aperçu sur certains arbres qu'en enlevant tout le bois mort, des arbres qui font beaucoup beaucoup de bois mort, il y a des mauvaises réactions des fois. Parce qu'en fait, mécaniquement, ce qui se passe, c'est que tu fais des coupes et tu fais des potentielles entrées d'air dans un système hydraulique qui peut être sous tension forte. Ouais. Alors que si tu avais laissé le bois mort, ça reste quand même des tuyaux qui sont inefficients, mais pas ouverts directement sur l'extérieur. Tu pars sous l'option de lever le bois mort en végétal, en végétatif. Ouais, oui, végétatif. C'est ça. Mais maintenant qu'il y a dormance. Parce que là, ouais, de toute façon, tu sais pas exactement où il est mort. Tu vois, et souvent tu coupes et hop, tu te rends compte que mince, t'as pas fait dans l'endroit où c'était encore vivant. Alors que lui, a priori, c'est... Bon, s'il y a bien une chose qu'on peut enlever, c'est le bois mort. Quand même. Est-ce que ça accueille pas des auxiliaires? La question, c'est ça, probablement qu'il y a aussi toute une faune liée au bois mort et à la décomposition des bois morts, une faune aérienne qui peut être aussi antagoniste sur d'autres. Rappelez-vous que les champignons supportent pas trop la concurrence, donc on peut aussi imaginer qu'il y a des équilibres qui se créent. Mais alors, de là à les savoir, à les connaître, il y a peu de recherches qui se font sur ces choses-là, quoi. Mais il y a des gens comme Ted Green, c'est quelqu'un qui s'occupe des vieux arbres en Angleterre, au château de Windsor, qui dit qu'il ne veut plus du tout enlever les bois morts parce que pour lui, il y a justement, un peu comme nous, les bactéries sur la peau, le fait d'aseptiser l'arbre, même dans la partie aérienne, ça aurait tendance à le fragiliser. Et il dit même qu'il y a des arbres, on leur enlève du bois mort, et ben ils en recréent parce qu'ils en ont besoin. Enfin bon, après c'est très anglais ça, de dire ça comme ça. Ce que tu as observé quand tu disais que tu voyais des mauvaises réactions sur certains arbres, ça n'est plutôt des bois d'œuvre, sur des chênes, des choses comme ça, ou sur des fruitiers? Non, pas sur des fruitiers, je l'ai plutôt vu sur des cèdres. Donc bon, après je fais que observer des bois morts enlevés sur des cèdres et l'arbre qui pendant tout un moment au printemps jaunit, se retrouve assis avant de repartir et de relancer. Et je pense que clairement, ce qui se passe, c'est que je crée des entrées d'air avec des embolies, avec des pertes d'utilisation des vaisseaux, parce que j'ai de l'air qui... Donc c'est comme s'il y avait des bulles d'air et que l'arbre, elle a du mal à s'alimenter, jusqu'à ce que le cambium finisse par fabriquer des nouveaux vaisseaux et que ça recircule. Enfin, je l'interprète comme ça, peut-être que je me trompe. C'est pas évident. Bon, après, moi, je suis partisan de penser qu'il y a bois mort et bois mort, déjà. Il y a des bois morts naturels, c'est-à-dire des bois morts qui sont liés au basculement et qui font que l'ensoleillement de la branche n'est plus suffisant et que donc du coup l'arbre abandonne le bois. Et puis il y a bois mort qui est traumatique, comme celui-là, c'est un bois mort traumatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème de circulation de sève et là j'ai un problème lié à ce bois mort parce que j'ai plus d'alimentation. Donc là c'est, je dirais, deux bois morts un peu différents, non ? On ne peut pas les interpréter tout à fait de la même manière. En tout cas, moi j'ai un verger, j'ai du bois mort comme ça, je l'enlève. Parce que je passe et que j'ai pas spécialement envie d'avoir ce côté morbide sur mon arbre. Et d'enlever ce côté morbide et de rester sur du vivant, là, ça me permet de mieux aimer mes arbres. Et la lumière, mais alors la lumière, ça va loin parce que le bois mort enlève pas beaucoup de lumière, parce qu'il n'y a pas de feuilles. Mais bon, oui, dans l'absolu, pourquoi pas, quoi. L'esthétique, en tout cas, ça, moi, je trouve assez fort, plus que la lumière. Et bon, après, il y a certains arbres, on a l'impression qu'ils sont bourrés de bois mort, comme un vieux pommier bien chargé. Là, on n'en voit pas trop, mais on s'aperçoit que le moindre bourgeon est vivant, quoi. Et là, ça, c'est hallucinant, d'ailleurs. Il y a des arbres qui sont incapables de faire du bois mort, quoi. Toutes les branches les plus vieilles, et vous allez prendre le plus petit des bourgeons, vous allez couper, il est vivant. Et ça c'est fou. Ça explique aussi pourquoi les pommiers, au bout d'un moment, ils végètent et ils sont tout trapus, tout serrés là. Et là, la taille de... J'entendais ce matin, c'est une rénovation. Ouais, de rénovation. Ça a du sens par rapport à ça. Là, on est vraiment typiquement dans le début de la direction vers ce qu'on appelle la sénescence, là, donc le vieillissement de l'arbre, là, qui est un nombre de bourgeons trop important par rapport au potentiel d'alimentation du végétal, quoi. Et donc là, en diminuant le nombre de bourgeons, par magie, boum, l'arbre il se remet à faire des belles pommes, une belle fructification, c'est étonnant, ça marche super bien ça. Et puis arrêter l'alternance, ouais.